Corinthiens 13, du premier verset jusqu'au verset, plutôt du quatrième verset jusqu'au verset septième. 1 Corinthiens 13, 4 jusqu'à 7. Vous y êtes, hein? Tout lecteur de la Bible connaît 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? 4 à 7. 1, 2, 3. Allons-y. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Nous acclamons la parole du Seigneur. Depuis le lundi 1er août, nous avons commencé les 30 matins de prière sur le thème l'amour, une puissance négligée. Nous n'avons pas pu tout écrire là, sinon ça allait saturer, mais nous sommes là pendant tout un mois afin de parler de l'amour qui est la nature principale de Dieu. Ainsi, nous avons voulu illustrer cela par ces deux images. Nous ne les connaissons pas. Amen. On les connaît pas, on a trouvé ça sur Internet, on a mis, qui exprime une famille heureuse, qui exprime de l'amour, enfin d'imager cet enseignement qui sera donné pendant 30 jours. Il est certain que certains milieux de vous, c'est seulement aujourd'hui que vous êtes là, alors je vous demanderai de vous procurer tous les autres enseignements donnés par le pasteur Bishop, le pasteur Parfait, le pasteur Sita, le pasteur Ndagano et moi-même, parce que déjà des choses très très profondes ont été déjà dites. Amen. Aujourd'hui, mon message sera intitulé « Les signes de l'amour ». Tu peux le dire à ton voisin, au voisin de gauche, au voisin de droite, au voisin de derrière, de devant, surtout celui qui te boude. Amen. Les signes de l'amour. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 13, nous voyons que l'amour n'est pas défini par Paul comme étant une émotion. Alors que souvent nous pensons que l'amour est une émotion. Certes, c'est vrai, l'amour nous donne des émotions. Mais Paul, lorsqu'il parle de l'amour, il ne parle pas de l'amour comme une émotion, mais comme une décision, une attitude, une action, un caractère. Dans les choses de Dieu, aimer, ce n'est pas ressentir. Dans les choses de Dieu, aimer, ce n'est pas ressentir le feu dans son cœur lorsqu'on voit quelqu'un, ce n'est pas avoir des pulsions tout d'abord. Aimer, c'est plus que cela. Et je crois réellement que la Bible a raison de ne pas placer les émotions sur les signes de l'amour. Parce que nous voyons dans ce monde, un homme peut dire à une femme, je t'aime beaucoup, mais si tu me trompes, je te tue. N'est-ce pas? On a vu des hommes tuer des femmes par amour, entre guillemets. Nous avons vu des hommes se suicider par amour. Ce qui n'est pas de l'amour.
Si tu peux te suicider parce que un homme t'a dit non, une femme t'a dit non, ce n'est pas l'amour, c'est l'idolâtrie, c'est la passion. Amen. Et aussi, souvent lorsqu'on parle de l'amour et qu'on catégorise l'amour, on dit qu'il y a l'amour philéo, l'amour entre les frères qui réunit les frères, de sang, l'amour éros, l'amour qui attire les sexes opposés et l'amour agapé. Mais souvent lorsque nous parlons de l'amour agapé qui est l'amour de Dieu, nous pensons que c'est un amour qui ne peut se manifester qu'à l'église. Et le Seigneur m'a expliqué qu'on peut aussi ressentir l'amour agapé pour sa femme et pour son mari. L'amour éros fait que tu épouses un homme, tu épouses une femme. Mais quand tu es chrétien, tu ressens de l'amour agapao pour ta femme et ton mari. Ainsi, l'amour agapé vient rendre l'amour éros parfait. Ainsi, tu peux aussi ressentir l'amour agapé pour ton frère, pour ta sœur. L'amour philéo que tu as déjà pour ton frère, pour ta sœur de sang, est amené à la perfection par l'amour agapé, l'amour de Dieu. Ainsi, tu aimes ton frère de sang parce qu'il est ton frère de sang, mais tu l'aimes encore parce que tu connais Dieu par l'amour agapé. Ainsi, tu aimes ta femme parce que c'est ta femme, mais tu l'aimes encore davantage par l'amour de Dieu. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que quand je donnerai des exemples, je ne parlerai pas que de l'esprit, je ne parlerai pas que de l'église, je parlerai de la famille, je parlerai de la nation, je parlerai des couples. Amen. Voici le premier signe de l'amour. La patience, dit la patience. La Bible dit l'amour est patiente. Lorsqu'on aime, il y a un signe qui se manifeste. On est patient. On est patient comment? Pour ce qui est de l'autre, on est patient quant à sa transformation. Je suis convaincu que chacun de nous ici a des défauts. Amen. Même moi-même, j'en ai. Alors l'amour fait que tu sois patient par rapport aux défauts des autres, que tu attendes qu'ils changent. Lorsque dans ta relation avec les autres, tu demandes que les autres changent à la seconde, tu n'as pas l'amour. Pourquoi? Quand il s'agit de toi-même, tu demandes qu'on soit patient, mais quand il s'agit des autres, ils doivent changer maintenant. Ainsi, tu manifestes de l'amour pour toi. Je changerai progressivement. Quand il s'agit de toi, il faut qu'on comprenne que tu changeras progressivement. Mais quand il s'agit de l'autre, le conseil se donne aujourd'hui et aujourd'hui même tu dois changer. Un manque d'amour. Ainsi les relations se brisent, que ce soit dans l'église et en dehors de l'église, parce que nous n'avons pas la patience. La patience aussi envers Dieu. Un véritable chrétien qui aime Dieu, même si la promesse tarde, il va continuer à attendre parce qu'il aime Dieu. Mais quand tu abandonnes Dieu, parce que ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que Dieu avait promis, que tu avais reçu la prophétie, et la prophétie tarde, tu abandonnes Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Les hommes qui aiment Dieu peuvent attendre toute leur vie l'accomplissement de la promesse, et ils peuvent même mourir. La promesse n'est pas accomplie, mais ils meurent dans l'amour. Voilà. Jacob engendre Joseph. Joseph va en Égypte. Et en Égypte, Joseph n'a pas vu la délivrance d'Israël. Mais alors qu'il est en train de mourir, il dit, je sais qu'après moi, Dieu vous suscitera un prophète, que Dieu vous sortira de là. Mais lorsque vous sortirez, sortez avec mes os. Même si je ne les vois pas, mes os les verront. Quand on aime Dieu, même si l'accomplissement de la promesse tarde, et même si la promesse ne s'accomplit pas, on demeure dans la foi. C'est ça aimer Dieu. Les chrétiens qui abandonnent Dieu parce que la bénédiction tarde, qui se refroidissent, parce que le miracle n'arrive pas, vous n'aimez pas Dieu. Aimer, c'est attendre, et tu peux attendre toute ta vie. J'avais une maman à l'église. Bien-aimée, depuis que je l'ai connue, je n'ai jamais vu son mari. Elle me parlait toujours de son mari. Mon mari est en Europe, mon mari me prendra. Mon mari me prendra. Mon mari, mon mari, mon mari. Je crois pendant même 13 ans.
Jusqu'à ce qu'on a dit, maman, épouse seulement un autre homme, parce que cet homme ne comprend pas. Des fois, elle vous écoute seulement. Elle fait même semblant de faire ce que vous dites. Mais après, elle revient avec le même dossier. Pasteur, prie mon mari, je dois retrouver mon mari. Aujourd'hui, elle est avec son mari. Après combien d'années? Pourquoi elle n'a jamais lâché? C'est parce qu'elle a aimé. Tu lâches parce que tu n'aimes pas. Même dans le domaine des fiançailles, tu lâches facilement parce que tu n'aimes pas. Lorsque tu aimes une femme, tu aimes un homme pour le mariage, par l'amour de Dieu, tu patienteras qu'il change. L'impatience amène le divorce. L'impatience brise les amitiés. L'impatience brise les collaborations. L'impatience brise même notre relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu te parle aujourd'hui qu'il accomplira aujourd'hui. Des fois, il te parle aujourd'hui, il va accomplir dans 20 ans. Il est souverain, il fait quand il veut. Dieu est souverain, il fait quand il veut. Amen. Hein? Et il n'a même peur de toi. Il n'a même pas peur de toi pour dire « Nasalambang sinon obetanga ». Alléluia. Soyez patient. Soyez patient envers vos amis. Soyez patient envers vos femmes, vos enfants. Ce n'est pas parce que tu corriges un enfant aujourd'hui que demain il va le faire. Sois patient avec les défauts de tes enfants, de tes amis, de tes collaborateurs, de tes collaboratifs. Sois patient, sois patient, sois patient. La Bible présente Moïse pas comme l'homme le plus loin, ni l'homme le plus puissant, mais l'homme le plus patient. Le Moïse qui est présenté comme l'homme de miracle, sa plus grande caractéristique, c'était l'homme le plus patient de la maison de Dieu. Il a la capacité d'ouvrir en deux la mer rouge, mais il y a des hommes qui se rebellent contre son autorité, mais il peut prier pour eux. Il a la puissance de prier et puis le rocher donne de l'eau, mais sa sœur s'oppose à son autorité, mais il supporte cela. Ça, c'est l'amour. Tu as la capacité de détruire, d'anéantir, mais tu n'utilises pas, tu attends que l'autre change. Combien de fois nous manifestons vite qui nous sommes? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Nako kangusayo. Un manque de patience. Nous ratons même l'éducation de nos enfants. Tu lui parles une fois, deux fois, il ne fait pas gifle. Tu lui parles une fois, deux fois, tu l'insultes. Manque de patience. Tu es incapable pendant une année de discipliner un enfant, de lui dire et de lui parler et de lui parler, de lui expliquer même. Il suffit que trois fois il ne fasse pas. Tu tapes et tu engendres un impoli. L'amour patiente. Patienter, ce n'est pas attendre. Je répète, patienter, ce n'est pas attendre. Patienter, c'est attendre avec la joie. Car il est possible d'attendre, mais en murmurant. Amen. Je ne vois pas clair. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois pas clair. Patienter, ce n'est pas attendre. Patienter, c'est attendre dans la joie. La promesse tarde, mais tu chantes. La promesse tarde, mais tu danses. La promesse tarde, mais tu continues à aimer Dieu de tout ton cœur. Lorsque tu perds la joie dans l'attente, tu ne patientes plus. Et un secret que mon père spirituel m'a donné, il m'a dit, lorsque tu attends et tu es fatigué d'attendre, dis je recommence à attendre. Tu ramènes le chrono à zéro. Tu as attendu 10 ans, ça tarde, tu dis je recommence. Ça fait maintenant seulement une seconde que j'attends. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Nous lâchons lorsque le miracle est proche, nous lâchons lorsque la bénédiction est proche. Aimer, c'est attendre. Attendre avec joie. Aimer. Et Dieu est le plus grand exemple de patience. Voyez comment Dieu est patient avec nous. Dieu peut détruire ce monde en un jour et il a raison. Il y a tellement de péchés dans ce monde. Il y a des temples de Satan. Il y a des gens qui s'appellent adorateurs du diable sur cette terre, mais Dieu ne les tue pas. Le sorcier s'envole, il bouffe les gens, et puis il se réveille, Dieu ne le tue pas. Dieu envoie la pluie sur le bon et sur le méchant. Jésus tarde de venir, non pas parce qu'il n'a pas la puissance de revenir, mais parce qu'il patiente. Il sait que s'il revient maintenant, beaucoup de gens vont rater la patience. Mais la patience de Dieu a souvent été prise comme une faiblesse. Amen. Mais malgré que les hommes trouvent que sa patience est une faiblesse, Dieu continue à patienter.
Il patiente jusqu'à ce que le dernier des païens sincères soit entré dans l'église pour venir, comme Noé avait attendu que le dernier couple d'animaux puisse entrer dans l'arche pour fermer l'arche. La patience de Noé par rapport au dernier couple d'animaux n'est pas une faiblesse, mais c'est de la sagesse. Soyez patient envers Dieu, envers les autres, mais aussi envers vous-même. Un homme qui s'aime aussi est patient envers lui-même. Il y a des gens qui sont très durs. Il dit, je vais changer. Et si le changement n'arrive pas directement, il commence à se dire, moi vraiment, Dieu ne me connaît pas. Les gens comme nous, ce sont des mauvais. Arrête cela, bien-aimé. Ces hommes que tu admires, qui sont remplis de qualités, avaient beaucoup de défauts, mais ils ont lutté avec Dieu, lutté avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce sont des hommes de prière, des hommes de parole, des hommes de sainteté. Mais s'ils te racontent leur vie passée, ils te diront, j'étais tombé, j'étais faible, mais aujourd'hui, je suis un guerrier. Alléluia. C'est pourquoi dans vos témoignages aux autres, ne parlez pas que de vos forces. Parlez-leur aussi de vos faiblesses. Ils seront encouragés dans leurs faiblesses, non pas pour rester dans la faiblesse, mais pour croire que eux aussi peuvent changer. C'est pourquoi dans l'histoire de Pierre, on ne nous montre pas que Pierre prêchant dans Acte 2, on nous montre aussi Pierre qui réunit Jésus. On ne nous montre pas que Paul en train d'enseigner, mais aussi en train de persécuter. La deuxième chose, la bonté. La bonté, c'est un signe de l'amour. La Bible dit, l'amour est rempli de bonté. Qu'est-ce que la bonté? La bonté, c'est pas la gentillesse. Amen. La bonté, c'est une disposition de cœur à rechercher et faire le bien même envers ceux qui ne le méritent pas. Alléluia. C'est ça la bonté. La bonté, c'est une disposition du cœur à faire le bien. Un homme bon, s'il arrive au milieu de vous, il cherche à vous rendre service. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose, en quoi puis-je vous être utile? Amen. Je crois même à la porte de l'église, il faudrait qu'il y ait des frères et sœurs qui portent maintenant des badges sur lesquels est écrit, est-ce que je peux t'aider? J'avais vu ça dans une église aux États-Unis. Tu entres dans l'église, on écrit là, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider? Ça fait du bien. Amen, hein? Ça fait du bien. C'est dit que, envoie-moi. Je peux porter ton bébé. Je peux même garer ta voiture. Mais je suis là pour toi. Est-ce que tu es perdu à l'église? Je vais t'aider. C'est ça la bonté. Lorsque tu as la bonté, tu n'esquives pas les services à rendre, mais tu les cherches. Oh là 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 là. Lorsque tu as la bonté, tu n'esquives pas les services à rendre. Des fois, l'église, les gens esquivent les services. Lorsqu'on appelle les gens, venez, vous allez balayer. Il fait semblant, comme s'il n'a pas entendu. Et puis, il part, oh, gloire à Dieu, Dieu m'a sauvé. Non, ta méchanceté t'a sauvé. Des gens qui s'esquivent toujours pour ne pas rendre service. Venez, on va aller dans un deuil. Il a toujours des raisons. Venez, on va faire ceci. Il a toujours des raisons. Il a tout le temps des raisons pour ne jamais rendre service. Mais on dit qu'on a l'amour. La bonté. La bonté, c'est une disposition du cœur à faire du bien. À qui? Pas aux bonnes personnes, même aux mauvaises. Si tu fais du bien qu'aux bonnes personnes, tu n'es pas chrétien. Si tu fais du bien aux gens qui te font du bien, tu n'es pas chrétien. Si tu salues seulement ceux qui te saluent, tu n'es pas chrétien. Si tu pries que pour ceux qui te bénissent, tu n'es pas chrétien. Si tu veux être chrétien, tu dois bénir tes ennemis. Tu dois rendre service à tes ennemis. Tu dois rendre le bien pour tout le mal qu'on te fait. C'est alors que tu ressembles à ton Père qui est parfait, qui fait répandre sa pluie sur les bons et sur les méchants. La bonté envers les bons est naturel, mais la bonté envers les mauvais est surnaturel. Si tu veux être surnaturel, tu dois aimer même les mauvaises personnes. C'est alors que tu ressembles à Jésus qui est mort pour les pécheurs. Mais si en étant chrétien, je t'aime parce que tu m'aimes, c'est normal. Aimer quelqu'un qui t'aime, c'est normal. Même les païens aiment les gens qui les aiment. Mais le jour que tu aimeras quelqu'un qui te critique, qui te calomnie, qui te détruit, alors là, tu as l'amour de Dieu. Et je vous dis, mes frères, tant que nous sommes sur la terre, le plus grand test, c'est le test de l'amour. Le test de l'amour, souhaiter les bonnes choses aux gens qui souhaitent le mal.
Et la bonté, lorsqu'on a la bonté, on a le tact. Le tact. Qu'est-ce que le tact? C'est une manière de faire remplie de douceur qui ne détruit pas les autres. Je donne un exemple. Je sais que ce frère est un frère qui a trompé sa femme hier. Je ne peux pas venir ici et dire, frère, tu as trompé ta femme devant tout le monde. Je manque de bonté. Même si ce que je dis est vrai, vous pensez qu'il va se convertir pour cela? D'ailleurs, son cœur va se fermer contre Dieu parce que Dieu est moins que son père. Parce que son père, s'il savait qu'il avait fait le mal, il allait le chercher en secret chez lui à la maison et lui parler. Mais Dieu l'humilie devant tout le monde. C'est pourquoi je suis contre une certaine manière de prophétiser. On ne prophétise pas des choses humiliantes en public. Si tu as des choses humiliantes sur quelqu'un, tu vas le chercher. Quand est-ce qu'une prophétie devient humiliante? C'est lorsqu'on t'a parlé une fois en secret, deux fois en secret, trois fois, et Dieu maintenant t'humilie pour te sauver. Mais si tu n'es pas encore arrivé à la patience, tu ne peux pas humilier. Et quand même je vais le voir, je ne vais pas descendre avec la sainteté. Je viens, frère, implique, adultère, tu as trompé ta femme. Tu vas finir en prison. Je vais venir le voir. Bonjour mon frère, comment tu vas? Prions, le tact, la bonté donne le savoir-faire. L'amour donne le tact. Lorsqu'on aime, on évite les effets collatéraux. Vous connaissez les effets collatéraux? Lorsque une armée veut bombarder une autre, elle évite que les civils meurent. Ainsi, l'armée dit, si nous envoyons une bombe, les militaires et les civils mourront. Cette armée prend la peine de descendre et d'envoyer des guerriers sur terrain qui vont faire des frappes chirurgicales pour que les civils ne meurent pas. Et lorsque je viens vers mon frère, afin de le ramener, le sortir du péché, je dois éviter de le jeter au diable. Lorsque un médecin opère, il veille seulement à toucher la partie infectée, il ne détruit pas le reste. C'est vrai qu'il a péché, mais c'est un enfant de Dieu. C'est vrai qu'il a péché, mais il est en train de chercher Dieu. Je ne viendrai pas le jeter en enfer, je viendrai pour l'amener à la repentance. Et si pour l'amener à la repentance, il faut que pendant un temps, je l'écoute, je l'écouterai avant de venir avec le jugement, tu iras en enfer. Et qu'est-ce qui se passe? Dans l'église, comme il n'y a pas la bonté, les gens ne se confient pas. On ne présente que les bons côtés de nous. Ah, moi, je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, je prie beaucoup, je jeûne beaucoup. Mais on ne se dit pas les vrais problèmes. Pourquoi? Il n'y a pas de bonté. Parce que si l'autre te révèle ses vraies faiblesses, alors tu vas prendre la machette, tu le coupes. Alors qu'il faut aimer une personne sincère qui refuse de se présenter sous l'hypocrisie. Alléluia. La bonté. La bonté te donne l'éducation. Je vous assure, même une personne qui n'a pas d'éducation, lorsqu'elle aime, elle respecte. Je vous assure. Prenez un voyou sans éducation. S'il tombe amoureux d'une femme, il va même ouvrir la porte. Vrai ou faux? Il va saluer. Vrai ou faux? Qui lui a appris ça? L'amour. Souvent, notre manque de tact et de respect n'est qu'un signe d'un manque d'amour. Parce que quand on aime, on respecte. Quand on aime, on a du tact. On a une manière de faire. Voyez. Si on t'appelle par des gens pour qui tu n'as pas d'amour, tu réponds normalement. Nana pension numéro nanga. Nana pension numéro nanga. Mais si seulement quelqu'un que tu aimes t'appelle, du coup, volume kiti. Allô? Oui. Nana pension kiti sa volume. Bolingo. Alléluia. Nana pension ke. Yeah! Quitte ça volume. L'amour t'amène à baisser le volume. Pourquoi? Parce que tu aimes. C'est pourquoi certaines impolitesses sont des signes de quoi? D'un manque d'amour. Lorsque tu deviens impoli, irrespectueux en soi, ce n'est pas un problème d'éducation, c'est un problème d'amour, car même le koulouna, quand il aime, il est poli. Alléluia. Troisième chose, le contentement. L'amour se contente. Ce qui est à l'amour est à l'amour.
Ce qui n'est pas l'amour n'est pas l'amour. Un homme qui a l'amour se contente de sa femme. Amen. Quand un homme aime sa femme, même si ce n'est pas la plus belle femme du monde, il ne voit pas les autres femmes du monde. Lorsqu'une femme aime son mari, même si ce n'est pas l'homme le plus beau, le plus grand, le plus riche du monde, elle ne voit que son mari. Lorsque l'envie naît, c'est souvent quand l'amour part. Quand l'amour est, on ne voit plus rien. Alléluia. Quand l'amour est, on ne voit plus rien. C'est pourquoi des fois nous sommes étonnés. Des gens qui ont épousé, des personnes qui sont infirmes, des personnes qui ont des problèmes et tout. Mais ils aiment ces personnes. C'est ça l'amour. Quand on aime, on se contente. Elles ne font pas semblant. Elles aiment vraiment. Oh, je dis, elles ne font pas semblant. Elles aiment vraiment. Parce que l'amour a une capacité de t'amener à te contenter. À te contenter. Frères et sœurs, souvent les jaloux pensent que lorsque ils détruisent les personnes jalousées, ils sont élevés. Détruire Abel ne fait pas de toi un Abel. Détruire celui qui monte ne te fait pas monter. Détruire celui qui est béni ne te bénit pas. Prendre la place d'Abel ne fait pas de toi un Abel. Car ce n'est pas parce que tu tues Abel par jalousie que tu es devenu Abel. Tu deviens Caïn le maudit. Caïn, avant la jalousie, était meilleur que lorsqu'il a tué par jalousie. Alléluia. La jalousie est un signe de manque d'amour. Lorsqu'on a l'amour, on aime ce qui arrive à Abel. On est content. Pourquoi? Parce que tu deviens le grand frère du petit exaucé. Lorsque tu as l'amour, tu accepteras que quelqu'un aille ce que tu n'as pas. Tu accepteras que quelqu'un fasse ce que tu ne fais pas. Tu accepteras que quelqu'un arrive là où tu n'es jamais arrivé et qu'il devienne ce que tu n'es jamais devenu. L'amour se révèle par la capacité d'aimer ce que Dieu fait dans la vie des autres. C'est pourquoi, si dans vos amitiés, il y a la jalousie, vous n'êtes pas des amis. Vous n'êtes pas des amis. Les vrais amis, oyoyayo, ezayanga, atanazanangote. Alléluia. Voyez le corps. Lorsque le corps cherche la nourriture, qui voit la nourriture? Les yeux. Alléluia. Les yeux voient la nourriture. Mais qui prend la nourriture? C'est la main. Mais quand la main tient la nourriture, l'estomac n'est jamais jaloux. Jaloux de la main. Parce que l'estomac sait que ça ne restera jamais dans la main, ça finira dans la bouche. Et l'estomac sait que ça ne finit jamais dans la bouche, ça finira par entrer par l'œsophage. Pourquoi? Parce que le corps sait que ce qui est à la main est au corps. Ce qui est aux yeux est au corps. Et ce qui est à ton frère est à toi parce que vous n'êtes pas dans des corps différents. Vous êtes dans un même corps appelé l'église. Ce qui t'arrive m'arrive. Pourquoi? Nous sommes dans le même corps. Mais en attendant, c'est au niveau de la main. Oh, donne-moi un amen. Lorsqu'un homme a faim, qu'est-ce qui arrive? Il est fatigué. Même les genoux ne fonctionnent pas bien. Même tu as mal au cou, des mal aux os. Mais quand seulement la nourriture entre dans l'estomac, ça rétribue cela à toutes les parties du corps. Et le corps devient fort. Pourquoi? Ce qui est à la bouche n'est pas qu'à la bouche. C'est même pour tout le corps. Même les cheveux mangent. Quand quelqu'un ne mange pas bien, il est kwashiokoré. Même les cheveux s'abîment. Tout ce qui est à l'autre est à toi. Même si vous n'êtes pas une personne, mais vous êtes dans un même corps. L'église, ce n'est pas des membres, mais c'est un corps. Sans la révélation du corps, nous allons tomber dans des jalousies. Voyez. Partout où passe l'aiguille, passe le fil. Mais faut d'abord accepter que l'aiguille passe d'abord. Et pendant que l'aiguille passe, le fil dit avance encore, avance encore, avance encore. Mais lorsqu'on finit la couture, on ne garde jamais l'aiguille. Parce que l'aiguille va faire mal à celui qui va porter. On ne laisse que le fil. Mais le fil accepte que pendant un temps, l'aiguille puisse passer. Des fois dans ta vie, ton ami sera l'aiguille. Ton frère sera l'aiguille. Ta femme sera l'aiguille. Sois content de ce qui lui arrive. Sois content de ce qui lui arrive. S'il fait ça, toi aussi tu feras ça. S'il fait ça, toi aussi tu feras ça. La couture dépend du mouvement de l'aiguille et du fil. Mais le problème souvent, nous nous opposons aux aiguilles. Ce n'est pas parce que nous prions tous le même jour que nous serons exaucés tous le même jour. Même dans la distribution des pains, même si c'était un miracle, ils n'ont pas mangé tous le même moment. Jésus a dit, faites-les à soir.
Maintenant, le panier a commencé à circuler. C'est-à-dire que c'était à la rangée 2, les gens de la rangée 12 sont en train d'attendre, et ils voient déjà les gens de la rangée 1 en train de manger. Mais sache qu'il en restera. Tout le monde en recevra. Et aussi, si même avant que le panier n'arrive à toi, il y a une pluie qui arrête la distribution du pain, ce qui est en ciel, c'est que tu as entendu la parole qui est plus que le pain que tu vas manger. Même si je ne suis pas béni comme mon frère est béni, si je meurs sans être béni, mais si j'ai le Jésus qui l'a béni, cela me suffit. Car dans le domaine de Jésus, nous avons tous le dénominateur commun. Le problème souvent, c'est que nous oublions le principal à cause du reste que Dieu a promis. Voiture, maison et tout le reste, ce n'est rien parce que nous avons déjà la base qui est Jésus. Zala alors nazua soki yo yamba Yesu andambu molimo sato andam mesoko yamba Yesu mubimba molimo sato mubimba yoko yo kazua ya nini. Et vous devez vous préparer dans la vie à ce que Dieu ne vous donne pas tout et qu'il puisse donner à certains ce que vous n'aurez jamais. Je vais répéter ça. Oui, Dieu n'est pas un socialiste. Tu sais, dans le socialisme, tout le monde porte la couleur rouge. La couleur rouge, tout le monde, même voiture, tout le monde, même maison. Dieu n'est pas un socialiste. Il y a des choses que l'autre aura, tu n'auras jamais. Tu dois préparer ton cœur, Isaaka. Bongo! Non, on peut ce exemple. La Bible nous dit que les 12 apôtres sont les fondements de la nouvelle Jérusalem céleste. J'en ai pris pour devenir le 13e fondement. Tout le monde a sous côté. La Bible nous parle des 24 vieillards. Prie pour être le 25e vieillard. On va voir si tu vas le devenir. Il y a des choses, même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu invoques, même si tu pleures, tu ne les auras jamais. Ezanabakolo yango. Jésus a dit, ce n'est pas à moi de déterminer qui sera à la droite et à la gauche, mais Dieu seul sait. Pourquoi? Il y a des gens pour qui il y aura la droite et la gauche. Et Dieu a combien de droites? Il a combien de gauches? Dis à ton voisin, milinga nengoza. Je peux amener un réveil à la fin de temps, un réveil mondial. Mais jamais je ne serai parmi les 12 colonnes, les 12 fondements de la nouvelle Jérusalem céleste. Ça c'est pour Pierre, ça c'est pour Matthieu, ça c'est pour les apôtres. Dieu leur a réservé cela. Ainsi dans ta vie, il y a des gens qui te dépasseront toujours dans un domaine et toi tu les dépasseras dans un autre domaine. Moi je dépasse Paul dans un domaine, moi je prêche avec le micro. Moi je dépasse Paul dans un domaine, moi je prêche en veste. Moi je alléluia, il y a des choses, je raconterai aussi à Pierre. Est-ce que tu sais prêcher avec un iPad? Est-ce que tu sais prêcher sur internet, sur Facebook et sur WhatsApp, sur YouTube? Hey, alléluia! Quand il me parlera, tu sais, en Galilée, moi si je vais lui dire, tu sais aussi au Bandundu Maluku Amatadi. Alléluia! Alléluia! Bien-aimés frères et sœurs, l'amour ne jalouse pas. C'est terrible, bien-aimés. Et tu vas voir que même dans la nature de l'homme, Dieu nous a donné cette capacité de nous accepter. Mets un miroir ici. Tout le monde qui passe aime s'arrêter et regarder. Même celui qui n'est pas très beau, hein. Mais ça vient. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tout le monde, Yamoulaï, Yamounene, tout le monde aime regarder. Pourquoi? Il veut regarder cette merveilleuse créature que Dieu a faite. Et c'est pourquoi David a dit, je te loue parce que je suis une merveilleuse créature. Mais ce n'était pas Monsieur Univers, ce n'était pas Monsieur Israël, mais il s'aimait tel qu'il était. Voici. Lorsque tu commences à aimer ce que Dieu fait dans la vie des autres, alors ce qui est à toi viendra. C'est seulement lorsque tu appelles Élie, char d'Israël et sa cavalerie que le manteau tombe. Tant
tant que tu ne l'appelles pas char d'Israël et sa cavalerie, et tu n'acceptes pas qu'il monte, la gloire de Dieu ne tombe pas sur toi. C'est ainsi, tu dois toujours accepter ceux qui te précèdent là où tu vas, afin que tu ailles là où tu dois aller. Amen. J'ai vu une femme dans ma vie qui avait un problème pour avoir des enfants. C'était une sœur catholique qui avait épousé un prêtre qui avait quitté la prêtrise. Mais il n'avait pas d'enfants. Et les gens avaient dit, vous êtes maudits parce que vous avez quitté la prêtrise. Hein, en disant, ces temps-là, si un prêtre et une sœur quittent, ils seront maudits, ils n'auront pas des enfants. Et tout le monde disait ça et tout le monde confirmait. Elle était très amie à ma mère. Et j'ai remarqué, elle a commencé à faire quelque chose. Olivier était très petit. Elle prenait Olivier et Olivier habitait là-bas. Il allait souvent là-bas, il mangeait là-bas, il dormait là-bas. Et les gens commençaient même à croire que c'était leur enfant. Elle avait décidé, si Dieu ne me donne pas un enfant, je vais commencer à aimer les enfants des autres. Elle a commencé à aimer les enfants des autres, et un jour elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Bien-aimé frère, si tu vois Abel prier et il est exaucé, ne le tue pas, demande-lui la méthode. Si tu vois Abed ouvrir le ciel, ne le tue pas. Dis-lui comment tu as ouvert le ciel. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il a seulement besoin de t'enseigner les principes. Le problème, c'est que nous combattons les gens qui réussissent, alors que les gens qui réussissent ont compris ce qu'on n'a pas compris pour nous aider. Et tu peux même réussir plus qu'eux. Celui qui aujourd'hui a fait l'Airbus, il a pris ça de qui? De celui qui a fait un avion peut-être qui est tombé, mais il a copié et il a ajouté. Mais nous, nous tuons les gens qui commencent pour nous. Voici, si tu tues Joseph, qui te nourrira en Égypte? Si tu tues Moïse, qui te fera sortir de l'eau? Des fois, nous tuons nos Joseph. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des rêves. Mais il veut ses rêves pour lui, mais ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Mais on n'a pas parlé de toi dans le rêve, mais c'est hier aussi toi. Lorsque Joseph a des rêves, il dit, j'ai vu, ma gerbe était plus grande que la vôtre. C'était son interprétation, mais derrière sa gerbe, il y avait aussi la gerbe des autres qui allait se cacher. Joseph voit que lui devient grand. C'est ma destinée. Mais il est devenu grand pour qui? Il est devenu grand seulement pour nourrir les autres. Donc il est devenu grand pour qui? Il est devenu grand pour les autres. Donc quand il était esclave pour qui? Pour les autres. Il était prisonnier pour les autres. Qui avait la grâce? Toi, tu es devenu prisonnier pour nous. Pendant que lui est prisonnier, les autres sont ses papas. Pendant que lui est esclave, les autres sont ses papas. Et quand maintenant il meurt, ce sont les fils des autres qui deviennent grands. Parce que Joseph meurt, il laisse Ephraïm et Manassé. Mais qui est devenu roi? Ce sont les fils de Judas. De Judas qui n'est jamais devenu premier ministre. Qui engendre les sacrificateurs? Qui engendre Moïse? C'est Lévi. Alors, ne tue jamais Joseph. Parce que en Joseph, il y a Lévi, il y a Moïse et il y a Jésus. Frères et sœurs, quand tu comprendras cela, tu seras rempli de compliments pour les autres. Soyez des gens qui font des compliments aux autres. Je suis content de la manière dont tu chantes. J'aime ton album. Si ça cartonne, gloire à Dieu, cartonné. Après, moi aussi ça va cartonner. Pourquoi? Je vais te demander, tu avais fait la publicité comment? Tu es entré dans quel studio? Tu as chanté comment? Donne-moi le cœur qui a chanté dans ton album. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tout ce qui monte doit descendre. Même dans l'église. Dis contentement. Qu'est-ce qui a détruit ce monde? Un Lucifer. Dieu lui donne déjà beaucoup. Imagine que Dieu te crée comme étant l'archange de lumière. Service, adoration et louange. Le plus grand ministère. Mais lui, il ne se contente pas de ça. Il veut toujours plus. C'est ça la maladie des hommes. Il veut toujours plus. Il veut toujours plus. Il veut toujours plus. Il y a des gens qui, toute votre vie, vous ne serez jamais des leaders, vous serez des adjoints. Vous savez ça? Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être le premier. Il y a des gens qui doivent être des adjoints. Et toute la vie de Lucifer, il devait être à côté. Il ne devait pas être devant. Mais lui dit, non, je vais l'enlever et je vais prendre sa place. Et il est devenu quoi? Satan. Ève, Dieu l'appelle à manger tout, sauf, voici, le manque de contentement te fait oublier que tous les autres arbres sont sucrés. Il ne te montre que l'arbre interdit qui est sucré. Les gens qui ont un problème de contentement pensent que ce qui est interdit est plus que ce qui est permis. Alors qu'ils pouvaient tout avoir, elle se décide d'avoir une seule chose qui l'empêche d'avoir tout.
Voici. La jalousie t'amènera à te concentrer sur ce que l'autre a que tu n'as pas et à oublier ce que tu as déjà, que tu es intelligent, que tu es beau, que tu es fort, que tu as, que tu as, que tu as, et tu ne regarderas seulement ce que l'autre a. Il y a des gens, il peut être bien habillé, il a tout, mais le téléphone seulement de l'autre le dépasse. Il y a Zonika, oh là là, susté. S7, S7, Nanazana, S2, S2, oh là là, S7, moi ça peut quitter, oh là tu peux bien, S7, tu regardes seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais tu oublies tous les autres arbres que tu peux manger. Arrêtez de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas. Regardez ce que vous avez. Arrêtez de vous concentrer sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez, vous avez tout le jardin. Et je vous dis, c'est terrible. Tu peux même avoir une belle voiture. Oh, kumango monka. Monsieur l'équipe, petit peu. Oh, car. Et bon, yozan katia kopo. J'aime ce qui est à moi. Et il y a des choses qui sont à toi aujourd'hui, qui préparent les choses que tu auras. Mais même si tu ne les as pas, ce qui est essentiel, c'est la présence de Jésus en toi. Je dis, c'est la présence de Jésus en toi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Car bien aimés frères et sœurs, si notre joie provient des choses que nous avons, le jour que nous ne les avons pas, nous perdrons la joie. J'aimerais terminer. La Bible dit, l'amour ne se vante pas. Voici un signe de l'amour, la simplicité. Amen. Plus un homme est rempli d'amour, plus il devient simple. Il devient humble. Qu'est-ce que la vantardise? L'amour ne se vante pas. La vantardise, c'est l'autopromotion au détriment des autres. Un vantard monte en détruisant les autres. Pour qu'il monte à un endroit, il doit d'abord te détruire toi, comme ça lui il a une place. Je suis plus intelligent que les autres. C'est-à-dire que toi, tu es intelligent, eux, ils sont bêtes. Ici, je ne vois pas quelqu'un qui est à mon niveau. Donc, toi, tu es un humain, les autres sont des animaux. L'amour ne crie pas ce qu'il donne. Je l'ai donné, je l'ai donné, je l'ai donné, je l'ai donné. Là où il y a l'amour, on ne se vante pas. Jésus-Christ faisait des fois des miracles, il disait, ne le dis à personne. Ne le dis à personne, cache ça, ne le dis à personne, parce qu'il ne l'a pas fait pour démontrer sa puissance, mais pour démontrer son amour. La vantardise fait de nous des personnes abjectes, infréquentables, parce que je ne sais pas si tu as déjà fréquenté un vantard, tu as du mal à le supporter pendant 30 minutes, n'est-ce pas? Je. Et la vantardise devient des fois une maladie tellement incrustée en nous qu'elle a du mal à nous quitter si Dieu ne nous fait grâce. Dernièrement, un homme vraiment avait exagéré dans la vantardise. Et j'ai dit, je ne veux pas le critiquer parce que c'est ça aussi le problème, on critique seulement. Je veux lui en parler. Et je l'appelle dans mon bureau. Je le dis vraiment, cher serviteur de Dieu, vraiment ça, nous tous, il nous arrive de parler de nous. Mais là, tu as exagéré. Donc, du début à la fin, c'était toi et toi et toi et toi à un niveau. Homme de Dieu, vraiment. Si tu veux que ton ministère monte, ça vraiment, il faut enlever et tout. Mais il faut écouter la réponse. Une réponse aussi remplie de vantardise. Vous savez, moi je. Pendant qu'on le guérit, il dit je. Des fois, apprenez à vous écouter. Quand vous causez avec les gens, enregistrez comment vous parlez, comment vous causez. Nous, prédicateurs, nous nous écoutons. Des fois, tu vas, tu t'écoutes, tu te dis, oh, mais j'ai trop parlé de moi. Mais nous, on s'écoute. Mais est-ce que tu t'es déjà écouté comment tu parles de toi, parmi tes amis? Comment tu monopolises la parole en train de parler de toi, de toi? Et des fois, le vantard se vante même devant les gens qui sont plus que lui. Un secret dans la vie.
Vous voyez comment nous sommes tous assis ici. Est-ce que nous connaissons celui qui est le plus grand de tête de cette salle? On ne sait pas. Vous voyez, puis Patrick, comme il est là-bas, il paraît avoir votre taille, s'il se tient debout. Moulaï! Mais tant qu'il n'est pas debout, tu penses qu'il a ta taille. Et il y a des gens comme ça. Tu peux être en train de parler. Tu vois, nous, les gens riches, les gens riches, tu vois la richesse, hein? Dans un $2,000. Yeah! Bon, à unité. Vous savez qu'on, moi, nous, vraiment, moi, le vantard souvent est méprisable et ridicule parce que il tombe dans un piège d'avoir une loupe qui l'agrandit et l'oublie la grandeur des autres. Les gens qui se promènent avec des loupes voient toujours tout en grand et pensent qu'ils sont grands parce qu'ils se voient par une loupe. Et le vantard. Des fois, ils utilisent des langages, tu sens vraiment qu'ils sont malades. Ils parlent de lui, mais au pluriel. Vous savez, des gens comme nous. Maintenant, tu regardes à côté de lui, tu penses qu'il est accompagné, il est tout seul. Il est tellement ébellé dans une personne qu'il ne peut plus utiliser le singulier, il doit utiliser le pluriel. Vous voyez, les gens comme nous. Ou qui, nous? Les gens comme nous. Et tu vois, même dans sa manière de marcher, ils sont nombreux. Hey, asa est belle, que t'aimes la normalité, bah ça trop. Une maladie. Mais quand un homme vantard rencontre le vrai Jésus, reçoit le vrai Saint-Esprit, reçoit la vraie parole de Dieu, Dieu le brise, Dieu le taille, Dieu le façonne et le remplit d'humilité, de simplicité et il ne se vante plus. Alléluia. L'amour ne s'enfle pas. La vantardise et l'humilité, plutôt, la simplicité et l'humilité vont toujours ensemble. C'est pourquoi Paul met ces deux signes ensemble. Car celui qui ne se vante pas directement est humble. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Alléluia. Les Corinthiens avaient reçu les dons spirituels par la grâce de Dieu, mais ils se glorifiaient. C'est pourquoi Paul, après avoir enseigné sur les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, enseigne sur l'amour dans 1 Corinthiens 13. Parce qu'ils étaient tombés dans l'orgueil de croire que les dons spirituels qu'ils avaient reçus par grâce étaient des mérites. Un orgueil qui se manifeste des fois dans l'église. Et là, d'ailleurs, je vais m'arrêter là. Que Dieu me donne les phrases. N'oubliez jamais comment Dieu vous a pris et comment vous êtes converti. Amen. Je répète, n'oubliez jamais. Je me souviens comment je suis venu à l'église. Je ne savais pas prêcher. Je ne savais pas chanter. Je n'avais pas d'onction. Après des années, tu prêches, tu chantes, Dieu t'utilise. Tu te comportes comme si c'est toi qui t'es fait. Tu oublies la grâce de Dieu. Tu vas dans des retraites en train de jeûner, prier, pleurant. Seigneur, ouvre-moi les yeux, donne-moi les dons, donne-moi. Tu pleures des années. Un jour, tu commences à entendre une voix ici qui commence à te dire les choses des gens et tu commences à prendre des airs comme si c'est toi qui vois. Tu étais pauvre, tu n'avais rien du tout. Et Dieu te fait grâce, il t'élève, il te donne la richesse. Tu te comportes comme si c'est toi qui as causé cette richesse. Et les Corinthiens avaient atteint ce défaut où Dieu les utilisait dans des charismes, des miracles, des guérisons et tout le reste. Et l'église de Corinthe était tombée dans l'orgueil spirituel. C'est pourquoi Paul a écrit. Et je vous dis que l'église du Congo ressemble à l'église de Corinthe. Des gens qui ont reçu des dons par grâce. Mais il faut voir comment ils sont orgueilleux. Ils veulent être indispensables à l'église. Si pas moi. Dieu, je le bénis. J'étais pas là au début des 30 matins. Les 30 matins ont commencé sans moi. Alléluia. C'est la preuve de quoi? Je ne suis pas indispensable. Si moi, je ne suis pas indispensable, personne ici n'est indispensable. Personne. Ne pensez jamais que vous êtes indispensable. Moi, j'étais pas là. Le culte a commencé, les 30 matins ont commencé sans moi. L'église n'est pas morte. Et pour personne ici, l'église peut mourir. Lorsque Dieu commence à vous élever, vous chantez ici, ne pense pas que vous invitez l'église au couf. Et au couf à tête, continuez très bien sans eux.
des maladies dans lesquelles nous tombons. Ou quand tu commences à soutenir ta famille, quand Dieu te bénit, c'est toi qui soutiens ta famille, maintenant tu veux jouer au Dieu de la famille. Au Dieu de la famille. Eh, mais bah, non, qu'on va foutre leur classe. T'es au boss, Annie. Bah, non, qu'on va foutre leur classe. Y'a qu'on va classe à cotisation. Oui. N'oubliez jamais votre passé. N'oubliez jamais votre origine. N'oubliez jamais où Dieu vous a pris. Ça fera quoi? Vous resterez humble. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Pourquoi? L'orgueil. Comme l'amour. L'amour, c'est la première nature de Dieu. Et l'orgueil, c'est la première nature du diable. Si tu rencontres Satan, il y a une chose que tu ne rateras pas en lui. Il est orgueilleux. Orgueilleux. Attendez, Nazabo Eko, Yesu a précipité, a crucifié, a dépouillé. Mais si vous écoutez Satan, a oublié. C'est comme un boxeur. On l'a tabassé, tabassé. Il est KO, mais KO est au boudé. C'est ça, Satan. Malgré qu'il est vaincu, malgré qu'il a été terrassé, l'orgueil demeure sa nature. Et comment nous pouvons être des chrétiens, dix êtres remplis d'amour, mais il y a l'orgueil. Et l'orgueil, notre orgueil se manifeste lorsqu'on touche à nos personnalités. Amen, hein. Personnalité nangaï. Vous voyez quand on termine dans l'église, hein. Asimbi, personnalité nanga. Asimbi, bisika ba simba kate. Donc, simba yesu, meko simba yete. Finga yesu, me ye, kome kako finga yete. Yesu finga, moli mon santo finga. Mais, a touché réputation nangaï. Aux embaumoi, et bembe, ils ont la réputation. Et bembe, ils ont la réputation. Comme on en kara, et bembe. Aux amokonzi, et bembe. Aux amtounene, et bembe. Mais puis, surtout, ma bibembe, tu as la personnalité. Et bembe, ils ont la personnalité. Bon, nous, on s'y en a quoi un coup, non, on a un coup, non. Et bembe, et pour la bisseka, bah, au kundango. Et bien, mes koufis, mais aussi, il y a l'air d'un couvre. Oku, non, non, non. Mais nécropole. Voilà, au couvre. Nécropole. Oh, mais mon oku, tu n'en. Nécropole. Et bien, il y a une église, pour faire un oku, non. Et bien, tu kara. Il y a un oué pour n'en rara, bah, côté, mon oué, bimbi. C'est ça le problème. Et sachez ceci. Si quelqu'un est né de nouveau, il a l'amour. Mais souvent, nous refusons de manifester l'amour que nous avons. Un chrétien ne doit pas demander l'amour. Un chrétien a l'amour. Mais il faut demander à Dieu qui t'aide à manifester l'amour que tu as déjà. Que Dieu vous bénisse. Abondamment.